Coucou et bienvenue sur le Créa Channel. Voilà, je reviens vers vous pour vous montrer une petite vidéo d'un petit. Vous savez, j'avais du papier de Marie-Antoinette, de la collection de Marie-Antoinette, comme ceci. Voilà, qui est juste trop, trop, trop joli. Et j'avais voulu exploiter cette image. Donc, j'ai fait un petit essai. Voilà. Donc, j'ai découpé l'image. J'ai fait un petit masque en fait. Donc j'ai découpé l'image. J'ai pailleté tout autour. J'ai mis du ruban. Et j'ai mis une petite. Petite paille. Comme ceci pour faire un joli loup. Un joli masque. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de rajouter des plumes, etc. etc. Mais moi, j'ai rien rajouté parce que vu, il y avait déjà des petites roses. Et c'était trop mignon comme ça. Voilà. Donc après, on peut rajouter des petites plumes. Des petites plumes comme ça qui partent, etc. etc. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait celui-ci. Voilà, c'est tout mignon comme tout. Et je voulais aussi vous en faire un avant de vous faire la vidéo pour le tirage au sort. Voilà. Donc, pour ceci, donc j'ai pris une petite paille comme ça. Voilà, que j'ai coupée en deux. J'ai pris mon image qui est comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez de la colle. Voilà. Alors, attendez. Moi, je vais prendre déjà une petite feuille que j'ai pliée en deux. Voilà. Pour mettre mes petites paillettes. Et je regarde si j'ai pas de la colle. Qui irait mieux que celle-ci. Parce qu'il me faut un embout fin. Voilà, je pense que je vais prendre celle-ci. La colle à paillettes, ça n'a pas marché. Voilà, marqué, j'aurais pu prendre les autres paillettes toutes faites en fait. Mais avant de faire ça, j'allais faire une bêtise. Je vais déjà coller le petit bout, un petit bout de tulle. Voilà, donc vous découpez un petit morceau de tulle, vous prenez un petit morceau de tulle. Alors attendez, je le découpe. Voilà. Et vous le coupez en forme de petit carré. Ça dépend de la grosseur aussi de l'image. Mais moi. Enfin, vous le mettez comme ça. Vous pouvez en prendre un petit bout comme ça. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir le placer ici. Je vais même le placer là. Je vais mettre ce côté-là ici. Côté pailleté, plus de paillettes de ce côté-là. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, ce que je fais, je prends pistolet à colle. Et je vais venir le mettre ici et le froisser un petit peu. Ça fera beaucoup plus joli que le précédent que j'ai fait. J'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment quelque chose de léger. Et vous inquiétez pas, après, ça sera caché. Après, faut le customiser un peu. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Alors là, je vais laisser couper là pour mettre. Attendez, déjà, je vais couper ça. Ce contour de ici qui est posé sur l'œil. Ça, il y en aura un côté où il y aura du tulle. Et un sans tulle. Et ensuite, ce qu'on fait, on vient prendre un petit bâton de une paille en fait. Ici, vous écrasez le bout. Voilà. Et on va venir le coller. Vous mettez là. Ah, je vous voyais pas, j'ai l'impression que vous voyez pas bien là. Voilà. Ici, je vais prendre le pistolet à colle, je vais mettre de la colle ici.
Et je vais venir le coller ici, de ce côté-là. Vous appuyez bien. Voyez, votre loup prend forme. Ici, je mets une petite pointe de colle. Pour juste plaquer, pas grand-chose, hein. Je mets juste un filet. Voilà. J'aurais dû même le faire un petit peu moins grand. J'aurais dû le faire comme ça. Mais ça, c'est facile à recouper. Hop. Voilà. C'est mon deuxième, hein. Là, on enlevera la colle après. C'est pas grave. Ça s'en va tout seul. Faut pas... Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait ceci. Bon, ensuite, je vais prendre la colle à paillettes quand même. Parce que sinon, on va mettre à temps fou pour faire la vidéo. Voilà. Des petites paillettes. Ah ben non, elle est là, ma colle. Ben voilà, moi j'aime bien celle-là. Alors, vous prenez votre colle à paillettes. Est-ce que ça marche bien? Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre, voyez ici, déjà autour, ici. Vous en mettez sur les bords. Voilà, faites le contour. Là, j'en ai mis un petit peu trop à mon goût. Alors, ce qu'on fait, on prend ça. Une petite aiguille et on va la reposer. Voilà. Et on fait tous les rebords comme ça. Enfin, pas les rebords, bah si, les tours, le tour en fait. On fait le tour comme ça. Alors, je n'en mets pas tout partout pour que ça fasse plus joli, en fait. Vous voyez, il y a des fois, je passe, mais sans plus. Et hop. Et là, tout à l'heure, j'avais mis de la paillette... nouveau avec celui-ci. Je trouve que ça brille pas assez. Du coup, j'ai utilisé des copeaux de paillettes. Comme ça, des... Alors, je sais plus, des brillants diamants. Alors, hop, hein, bah, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dessus. Après on les récupère. Ça devrait bien rendre. Parce que ça, ça brille bien. Vous avez vu? Voilà, on laisse un peu et hop. Regardez comment que ça fait joli. Après, ça sera des vous. On le décore, ça. Ne vous inquiétez pas. Et ça, voilà. Ça fait beaucoup plus joli. Alors, j'ai un petit truc là.
J'arrive pas à me servir de cette pince. Je préfère vraiment l'autre. Regardez comment ça fait joli. C'est magnifique. J'adore. Alors, vous voyez, regardez pour faire un joli petit masque. Tout simple. Regardez. Et ce qui est bien avec tout ça, voilà, et ben c'est qu'on peut mettre. Oui, c'est beaucoup plus joli avec des paillettes de verre. Regardez. Ça brille plus que là. Vous voyez? Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que comment bah avec celui-ci que j'avais déjà fait, j'avais déjà pailleté, mais ça rend pas pareil. Vous voyez, là, c'est sec. Et avec celui-ci, vous pouvez mettre des plumes pour que ça fasse joli. Bah, vous voyez, celui-ci, il est plus grand que cela. Et vous pouvez mettre des plumes. Après, vous cachez derrière hein, avec ce que vous voulez. Voilà. On les cache. Hein. Vous cachez. Ou sinon, vous mettez un beau papier derrière. Vous découpez un fond de papier pour que ça fasse joli. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, c'était simplement pour vous montrer. Voilà. Et je pense que je vais. Ce que je vais faire, je vais l'améliorer encore. Et ce que je vais faire, je vais utiliser tout le temps ces petites paillettes-là que je vais récupérer. Et je vais ici, je vais le doubler avec un fond de Marie-Antoinette. Un joli fond de papier, par exemple. Voyez, je vais prendre un petit fond dans par ici, je sais pas, ça. Ou alors celui-ci qui est joli. Voyez, de la collection de Marie-Antoinette, ou vous pouvez prendre aussi celui-ci. Voilà, et ça fera joli quand on retournera. Ça fait serait sur des tons doux. Et puis, comme je vais vous le faire un peu plus grand, et je pense que je vais vous le faire vert comme ça, parce qu'il est trop joli. Voilà. Et moi, j'adore. J'adore, j'adore. Ça vous fait les petits loups. Après, je vous dis, on peut mettre des plumes, on peut l'améliorer et tout. Et avec des plumes, je ne sais, j'en ai des plumes, mais je ne sais plus où je les ai mis. Faut que je les recherche. Et j'en ferai avec des plumes parce que ça doit être super joli avec des petites plumes. Et je me demande même si avec, en mettant. Même des petites choses, vous voyez, regardez, on peut l'habiller le loup, le petit loup. Regardez, c'était une petite dentelle. On a vu? On peut faire ce qu'on veut avec, et c'est ça qui est génial. Alors moi, je vais les améliorer, et puis là, c'était juste un petit tuto pour faire ceci. Et du coup, ben, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais vous faire un en dehors de la caméra. Et puis, ben, je le mettrai dans le colis. Voilà. Donc après, ben, juste après, là, et ben, je vous fais le tirage. Voilà. Pour savoir qui est la gagnante. Et je vous montrerai ce que j'ai mis pour le concours. Voilà, mes petites abonnées. Donc, à bientôt. Donc, je termine le petit nouveau loup. Voilà, qui sera avec votre colis. Et puis, bah, je vous le montre terminé. Et puis après, on passe au tirage au sort. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et on va voir de quoi s'amuser avec la belle collection de Marie-Antoinette. Allez, gros bisous, mes petites abonnées. Bisous, bisous!